Et nous revoilà pour la suite avec Amon N. Alors Amon N, donc le niveau qui se situe dans un espèce de décor un peu, j'ai envie de dire, des bruits méditerranéens un peu. Enfin, on a l'impression que c'est une forêt assez clairsemée, vous voyez, quoi qu'il y a pas mal de feuillus, donc c'est pas trop dépeint. Mais bref, hein, c'est vrai que c'est des décors très sympas avec des grandes falaises et tout ça. Et là, on va voir que l'ambiance a été super bien retranscrite. Allez, c'est parti. Alors, on avait augmenté Legolas au niveau 3, et normalement, il devrait avoir son niveau 4 sans trop de soucis ici. La Moria fut une sombre épreuve pour notre communauté. Gandalf ! Fuyez, pauvre fou ! Non ! Votre quête ne tient malheureusement qu'à un fil. Écartez-vous-en un tant soit peu et ce sera l'échec. Mais le pire était à venir, car la communauté allait faillir à sa tâche. Jusqu'au bout, j'aurais été à vos côtés. Jusque dans les flammes du Mordor. Allez, Frodon. Courez ! Frodon porte avec lui notre destinée à tous. Nous devons le défendre ! Alors, voilà, la première chose que vous devez faire, c'est surtout ne pas achever la personne qui est à terre. Parce que ça passe genre une fois sur 10, ce truc-là. N'arrêtez pas de courir. C'est ce que je vous recommande tous. Et essayez de faire en sorte que vos potes vous aident, parce que c'est l'une des rares fois où ils vous aideront. Voilà, chargez vos tirs pour faire des one-shots. Parce que là, ce qui compte, c'est clairement pas de faire du point, mais de réussir à s'en tirer vivant, parce que croyez-moi, c'est pas gagné. Alors, le problème, c'est que mes potes arrêtent mes flèches. Voilà, une fois que vous avez fait le ménage, vous rechargez. Et du coup, vous allez en haut. Alors, en haut, vous avez un petit coffre, en fait, avec un peu d'expérience. Toujours ça de prix. Voilà. Et là, donc, n'hésitez pas à revenir sur vos pas, parce que vous avez du temps. Vous avez vu l'anneau avec Frodon. C'est en gros le temps que Frodon peut se cacher. Si vous dépassez ce temps-là, les Uruk-hai le retrouvent. Censée être morte. Voilà, je crois qu'on lui fait des flèches. J'hésite vraiment pas à me cacher derrière mes ennemis parce qu'avec les Legolas, il faut. C'est même pas une question de courage là, c'est qu'il faut. Trouvez le Semi-Homme ! Nous devons vaincre ces Uruk-hai pour permettre à Frodon de s'enfuir. Alors, là, Gimli m'a accompagné, vous voyez, normalement il est pas censé être là. Donc il est reparti bien loin, ce salopard, quoi. Il m'a lâché comme la dernière des catins. Il en faut vraiment beaucoup de flèches pour arriver à les tuer. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, n'hésitez pas à latter les autres à distance. C'est l'une des parties les moins faciles, j'ai envie de dire, pour les Legolas, parce que là, ils vous arrivent vraiment sur la gueule, quoi. Et les Legolas, que je vous disais, c'est même pas la peine d'essayer de tenter un cac avec les Uruk-hai, hein. Surtout s'ils sont plus de... Enfin, ils sont deux encore, ça passe, mais plus c'est mort. Alors là, vous vous mettez ici, parce qu'il y en a plein qui pop. Voilà, comme ça, ils sont obligés de venir un par un, parce que sinon, croyez-moi, c'est la merde. Voilà. C'est vrai que c'est un peu triste parce que vous voyez pas trop le combat du coup, mais croyez-moi, il y en a plein. Pareil, ici encore l'XP. Voilà. Ah bah. Vous voyez, en plus, ils peuvent vous shame, ces abrutis, là. C'est bon, bah, on s'en est pas trop mal tiré. Il en reste encore un. Voilà, et ils ont très peu de recul, hein. Ils ont vraiment une... Ils tiennent bien le coup, quoi. Et vous devez faire les 43 Uruk-hai, donc plus en fait au début, meilleur c'est. Vous devez faire les 43 Uruk-hai avant que le décompte se termine. C'est le plus dur, hein, le décompte, en fait. C'est pas forcément de rester en vie. Voilà. Alors là, spammez. Vous n'aurez pas le temps de charger vos flèches, donc spammez.
En plus, ils ont le pouvoir de vous lancer des bombes incendiaires. Vous le verrez un peu plus tard, ils vont vraiment faire exprès, mais sinon, ils ont quand même le pouvoir de le faire, même si c'est pas scripté. Et croyez-moi, c'est pas Jojo. Voilà. Donc, hit and run, hein, avec les Golas, faut pas chercher à faire plus. Je suis en train de martyriser mon bouton X, du coup. Voilà. Il a tiré dans le vide, c'est n'importe quoi. Vous voyez le nombre de flèches qu'il leur faut si jamais je ne charge pas. C'est assez conséquent. Alors oui, au passage, même si vous avez de l'armure, le jeu considère... Putain, je suis en train de me faire défoncer. Le jeu considère que c'est régénérable, entre guillemets. Donc vous pouvez tout de même le régénérer grâce à des potions. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Allez, encore un. Putain, alors lui, il en a pris une pleine tête, il a rien senti, limite. Tiens. Il en vient combien comme ça? Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, après, ça sera plus un problème, c'est sûr, ok, vous inquiétez pas. Alors, ici, directement derrière, voilà la. Derrière le petit muret, parce que sinon vous vous faites mais pourrir la tête, mais quelque chose de bien, quoi. Voilà. Vous pouvez passer une fois que vous avez tiré. Alors, n'essayez surtout pas de passer en force les flammes. Pour l'avoir déjà fait, c'est une très mauvaise idée. Alors ici, il y en a deux qui viennent. Essayez de les latter assez rapidement. Parce qu'il y en a d'autres qui vous viennent dessus. Voilà. Et voilà. C'est vrai que, voilà, normalement on peut passer par là. Oh. Oh. Meurs. Voilà, si vous passez par ici, vous avez un coffre avec de l'expérience. C'est un niveau qui est assez riche en XP, donc n'hésitez pas. Après, vous êtes limité par le temps, c'est vrai, mais n'hésitez pas quand même à farfouiller un petit peu si vous avez le temps. Lui, il est beau, il demande qu'à s'en prendre une dans la tête. Donc voilà, plus que 14 Urukai. Alors, si vous êtes en difficulté, là, je vous recommande de rusher, en fait, de pas trop vous attarder dans le coin. Pour la simple et bonne raison que... Alors, souvent, les ennemis vous loupent, hein, ici. L'avantage des Urukai, c'est qu'ils ont une attaque un peu puissante. Quand ils font pas une attaque sautée, on va dire, ils vous loupent, vous voyez, j'ai même pas besoin de bouger. Voilà, et là, si vous avez besoin, donc vous retrouvez vos amis, en fait, en contrebas. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous êtes en manque de vue de ça, d'aller retrouver vos potes, parce que, mine de rien, ils prennent les coups à votre place, et c'est bien pratique. Donc là, bon, il me manque plus que 7 Urukai, et j'aurai terminé. Alors là, vous êtes obligé de faire au cac, il n'y a pas trop de choix, on va dire, possible. Essayez d'en tuer le plus vite pour être plus long possible, sachant que les ennemis tués par vos potes comptent. Donc laissez-les faire un peu le travail, des fois, ça marche aussi. Voilà. Essayez de ne pas perdre trop de vie ici, je veux dire, ne vous attardez pas. Enfin, ne faites pas comme moi, en gros. Ou alors récupérez-en, au pire. Après, voilà, l'indicateur baisse quand même pour Boromir. Donc je vous recommande la prudence. Retourne dans les fosses qui t'ont engendré. Donc voilà, rien de compliqué, il faut juste tirer dessus en fait, hein, pour qu'il saisisse son épée. Par contre, à l'épée, il est extrêmement dangereux et en plus, il invoque des copains. Alors, vous mettez derrière une statue, vous parez. La première chose déjà que vous faites, c'est que vous faites un beach slap. Alors, attention, hein, il part vos...
il part vos attaques assez facilement, donc méfiez-vous. Voilà, alors là vous pouvez rien lui faire en fait, vous pouvez juste subir comme la dernière des catins. Ah, putain, alors là il veut pas. Putain, c'est incroyable ça. Alors, les hitbox de jeu sont un peu aléatoires des fois. Allez. Voilà, alors là j'ai réussi à le coincer dans la statue, et maintenant je peux lui mettre des tirs chargés. Alors là il est censé avoir normalement touché la statue, voilà. Donc là normalement je devrais le finir. Bon, j'ai eu un peu de mal, mais je vous rassure, ce boss est vraiment pas compliqué à la base, hein, quand on connaît la technique. Et nous y voilà, et on a notre niveau 4, en plus on va pouvoir commencer à avoir des attaques sympas. Et on continue. Alors, dans l'achat des compétences, là, on va avoir une qui est très 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 intéressante. C'est l'attaque montante. Alors pourquoi l'attaque montante? Eh bien c'est très simple, en fait l'attaque montante vous permet de vous lever en mettant un coup à l'adversaire. C'est ça qui est très intéressant en fait dans cette attaque, et du coup vous avez de fortes chances de le faire tomber, ça pète les boucliers, enfin c'est cheaté cette attaque. Voilà, alors évidemment l'idéal c'est de pas tomber quand même, mais pour le coup ça peut vous aider pas mal pas mal quoi. Alors le fléau des gobelins, sachant qu'on va affronter très peu de gobelins dans les prochains niveaux qui vont arriver, je vais éviter de le prendre. Le plus intéressant sera de prendre le fléau des orques et surtout le fléau des uruk-hai, vous allez vite comprendre pourquoi. Un petit peu plus tard dans le jeu. Là, l'arc long de la Lothorienne, dès qu'on peut améliorer les flèches de Legolas, on le fait, de toute façon. Faut pas chercher à comprendre. Et on est parti. Alors le prochain niveau, je l'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup de niveaux que j'aime en fait dans le jeu. Mais là, les deux niveaux qu'on va faire là, donc Amon N et le prochain, ça va être vraiment des niveaux qui sont hyper intéressants. Plutôt dur celui que je vais te taper là, mais très intéressant. Vraiment. Alors, ben, comme à notre habitude, on va se faire un petit bonus. Tant qu'à faire. Alors, le making-of du jeu vidéo, carrément. Eh ben, c'est parti. Probably the most intimidating aspect of embarking on this project was the sense that we had this incredible responsibility to deliver on in an interactive format in the same way Peter Jackson had delivered in film. He has taken some of the most beloved literary works of all time and translated them into an epic film masterpiece that has created millions and millions of fans worldwide. Are you frightened? Yes. Not nearly frightened enough. At the beginning of a project, you're working on the conceptual side and the design side. As the project progresses, programmers, artists, animators, environment artists, modeling specialists, texture specialists, all these people are thinking about their one area of the game, but in terms of the overall experience. One of the advantages of being able to work so closely with the filmmakers is we were able to use the models and props that they created for the film as reference for the stuff that we needed to create in our game. In designing Aragorn, we really had to think about all three playable characters at the same time. For example, Legolas is much more of a speed and finesse-oriented character. Gimli is a small little battle tank. Aragorn is more a blend of the two. We looked at the moves that each of the characters made frame by frame before we started to build anything. Then we would create a wireframe of the character. This is their basic proportions and size and scale. Then we would add texturing and lighting to complete their wardrobe and add the fine details of their character.
The actors were very interested in working with us. In one case, Viggo Mortensen showed us some of his action moves. He and his stunt double open up a crate of swords and start sparring with one another. That became the basis for many of Aragorn's moves. When we were selecting scenes from the film to include in our gameplay, Balin's tomb really stood out as a strong candidate. It's one of the most memorable moments in the first film. We wanted to recreate the sense of ambiance. It's this very strong beam of light on the tomb itself. That was a challenge for our environment modelers and lighting specialists. The village of Rohan levels are unique in the sense that they allowed us an opportunity to expand upon areas within the film. The actual game level itself looks and feels very much like the film locations in terms of lighting, the shape of the architecture, the people who were there, but we actually build upon that in this particular case and create areas of the level for the player to explore and fight in that they perhaps didn't see in the film. There is a union now between the two towers, Orsanc and Barad-dûr. What's so wonderful about this game, Lord of the Rings, is that you are getting on your own screen the voices of the original actors, all of them. Help, Aragorn! Aragorn, help! It's incredibly authentic, and I think it's really difficult to make a game based on a film. This game does it. It's very much like the film. We designed a very dynamic music system that reflects the mood of the actual events in game. One ring to bring them all, and in the darkness, fight! In the film, Saruman attacks Helm's Deep with 10,000 Uruk-hai, so we had to use other elements at our disposal to create the sense of battle. Through sound effects and audio, we really make it feel like there's thousands of orcs in the location. If someone plugs in the game and they say to themselves, oh my god, this is the film, then we've achieved exactly what we set out to do. This is the place that I remember from the film. I'm there, I can do something, it's now my turn. That's the way we want the player to feel. Et voilà, c'était plutôt intéressant. Très intéressant même, ça, on apprend un petit peu plus sur comment ils ont mappé le jeu et tout ça. Et du coup, nous on va se retrouver pour la forêt de Fangorn. À la prochaine !